Hey, mais attends, c'est quoi cette intro là? Vas-y, tu t'es trompé là, t'as dû te tromper d'intro dans les archives. Allez, vas-y, fais péter la bonne là. Sécuriser les objectifs. Salut tout le monde, sur l'N48126, aujourd'hui je vous On retrouve pour une sécurise nouvelle Alpha. vidéo et comme vous avez pu le voir L'ennemi a j'ai pris mis une Charlie. autre intro et pour ceux qui l'ont Alpha. reconnu, c'est la toute première intro de ma chaîne YouTube, celle que je mettais quand je jouais à Call of Duty et je l'ai mise L'ennemi a car pris je Bravo. suis sur Call of Duty Black Ops 2. Alors, comme équipement, j'utilise la PDW avec silencieux, viseur laser et balle perforante. On va perdre J'utilise A. aussi le couteau de combat. Et On sécurise aucune Charlie. mortelle, On aucune sécurise B. tactique. Ils ont pris Le Alpha. drone de chasse et le foudroiement, voilà. Donc c'est un B petit verrouillé. gameplay où j'ai fait du 19-02 en mort. Donc j'espère que ça vous plaira. Petit retour vite fait. Il y a d'autres gameplays qui arriveront, notamment un gros score quand même. Enfin, voilà. Il y a une nettement plus gros score que moi, mais franchement celui-là il était assez beau quand même pour moi. Sur Nocturne 2025, ça arrivera On plus tard. sécurise A. Et dans cette vidéo, en On va gros, je perdre, vous ok. explique pourquoi je fais un retour sur On Black a Ops pris le 2, contrôle. Call of Duty. Je vais vous raconter à peu On près va perdre C. l'histoire de quand je me suis arrêté sur Call of, etc. L'ennemi a pris Pourquoi. Bravo. Enfin voilà. A. Vous expliquer en même temps un petit peu le gameplay, ce qui se passe, etc. Un Donc là, drone de je vais buter brouillage en l'ennemi approche. et hop, couteau! Ennemi La contrôle code Jordan d'Axis en 23, approche. petit coucou à On a lui. perdu Malais, Charlie. je sais qu'il ne regarde pas cette vidéo, mais je suis quand même un fan de code Contrôle en Jordan, attente. j'apprécie ses vidéos. Contrôle de chasse barré au Franchement, couteau c'est une approche. des seules personnes que j'aime On a regarder perdu le sur Call of contrôle. Duty, etc. Donc, Drone allié en approche. je vais vous expliquer pourquoi je suis de retour sur Drone Call de of chasse Duty alliée et déployée. pourquoi Black Ops 2, il y a tout le monde qui est là. Oh, mais qu'est-ce qui branle? Pourquoi Black Ops 2, le Black Ops 3 vient de sortir? Je vais vous le répondre. Pourquoi pas Black Ops 3? Parce que pour moi, je dis bien pour Contrôle moi, stratégique en approche. Black Ops 3, c'est de la merde. Voilà. De la On va grosse perdre Alpha. merde que Activision nous ressort tous les ans depuis Call of Duty Ghost. Déploiement Voilà, en attente. tout simplement. Remettons. C'est pour ça que je me suis arrêté. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis arrêté à Déploiement partir en de approche. Ghost. J'ai arrêté d'acheter les séries de Call On of Duty, sécurise B. les nouvelles. Donc Ghost, je l'ai acheté, je l'ai testé, j'ai été extrêmement déçu. Que ce soit de tous les côtés, sauf la sécurisé. campagne, bien sûr. La campagne, je ne dis rien parce qu'elle était juste excellente. Celle-là, On va je l'ai perdre dévorée. Bravo. Mais le reste, c'était de la merde. Foudroiement allié en approche. Alors, vous pensez ce que vous voulez. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai arrêté à partir de ce moment-là. Advanced Warfare, j'ai pas testé, mais c'est pour moi, encore une fois, c'est parti en couille avec leur délire de nano armure, etc. J'ai pas compris le délire. Et Black Ops 3, ben, remettre le paquet, le futur, tu peux grimper sur les murs. L'interface, je l'aime pas, enfin, il me donne mal à la tête. La fusée. Comme là, vous pouvez voir les scores stricts, la carte et tout, ils sont bien droits. Tandis que dans le Black Ops 3, si vous n'avez jamais vu, ils sont On va incurvés perdre, comme un relief 3D comme ça. Enfin, et ça me donne mal à la tête personnellement. Mais je trouve ça dégueulasse. Donc, désolé pour avoir un peu, je suis enrhumé. On va Donc voilà, perdre petit Charlie. parenthèse sur le gameplay. Avion! J'aime bien gueuler comme ça. Vous pouvez voir On a pris l'avantage. en haut à droite, j'ai mis un petit HUD Déploiement en aussi attente de coordonnées. que je me suis amusé à faire. Ça a pris 10 secondes hein, pour moi. Enfin voilà, ça met pas beaucoup de temps. Aux couleurs de Black Ops 2 justement avec l'arme que j'utilise. Donc quand vous voyez que j'utilise le couteau en haut, il y aura le couteau, voilà, là c'est le foudrement. Quand tu auras le drone de chasse, j'utiliserai le drone de chasse et il sera en haut. Enfin, voilà. Sur d'autres gameplays, ce sera une autre arme, ce sera cette arme là. Voilà, tout simplement. Alors On va perdre A. Je vais avant de vous expliquer On a perdu pourquoi A. encore j'ai arrêté Call of Duty, les autres raisons.
je vais pourquoi j'ai acheté Black Ops 2 sur PC. On va perdre P. Bon, c'est une question qui va sûrement arriver. Alors la manche est facile. Donc c'est une question qui va sûrement arriver. Pourquoi j'ai acheté Black Ops 2 sur PC? De 1, bah parce que je ne joue exclusivement que sur PC maintenant, voilà. La console depuis que j'ai mon PC, je l'ai quasi plus rallumé. Je l'ai rallumé une ou deux fois, pas plus, que ce soit la PS3 ou l'Xbox. Perso, je les ai pas rallumés, excusez-moi. Jouer avec une manette, maintenant, je peux plus. C'est clair et net, je n'ai plus la prise en main que j'avais avant. Comme avec ce Call of Duty, le Black Ops 2, j'avais essayé au début de jouer à la manette. J'ai sécurisé l'objectif. Je faisais de la je dis pas que je joue bien maintenant, hein, mais je faisais de la grosse merde. Enfin voilà, j'arrivais pas bien à me diriger, etc. Puis c'est la manette PS3. Donc il y a aussi quelques petits bugs de temps en temps. Donc voilà. Et puis j'ai essayé, je me suis dit, allez, hop, j'essaye le clavier. Clavier souris, hop, ça a été tout seul direct d'un coup. Personnellement, j'ai adoré, je ne joue plus que au clavier, etc. Alors, pourquoi je l'ai racheté aussi? Parce que il m'a donné envie ce Call of. Franchement, ça faisait super long. Bah, depuis que j'avais arrêté de jouer à la Xbox, ça dit. Et même avant, parce que quand Ghost est sorti, je vous ai dit, j'ai pu jouer quasi. J'ai joué un peu en multi, un peu en survie. Et j'ai fait la campagne, j'ai fini la campagne une fois en entière et après je l'avais recommencé, j'avais arrêté entre temps. Parce que voilà, les campagnes c'est jamais trop mon truc de toute façon, mais j'essaye de la faire au moins une fois sur un code quoi. Si elle me plaît dès le début, celle-là elle m'avait plu. C'est comme celle de Black Ops 1. Black Ops 2 je l'ai pas faite parce que... elle m'a pas attiré directement, là je vais peut-être essayer de la refaire sur PC. Ce que j'ai jamais vraiment testé en fait, j'ai envie de vous dire. Mais voilà. Parce que bah, ce Call of m'a donné envie, j'avais envie de refaire du zombie aussi. Franchement, c'est un truc qui manquait réellement, le zombie. A savoir que quand je jouais sur Xbox, mais je passais mes journées à faire du zombie avec mes potes de mon ancienne team. Je faisais que ça. Du zombie, on faisait les secrets du zombie. Là, à savoir que j'ai eu extrêmement de chance que je me suis bougé pile au bon moment, si pas j'étais mort dans le gameplay. Donc voilà. Et parce que j'avais envie du multi de Black Ops. Enfin, je sais pas, Black Ops 2 il a ce petit cachet que les autres n'ont pas en fait. Ses couleurs et le couteau de combat. Voilà, tout simplement aussi. J'ai juste envie de vous dire le couteau de combat. C'est l'arme que j'utilise de plus pour vous dire. C'est l'arme que j'utilise. Je pense que j'ai tué plus de personnes avec le couteau qu'avec une bête arme. Que la PDW par exemple. Pas dans cette partie-ci, mais dans les autres parties. Vous pouvez le voir dans cette partie-ci d'ailleurs, le couteau. Et déjà d'un camouflage plus haut que là aussi j'ai eu extrêmement de la chance. Que le camouflage de mon couteau est plus élevé, donc c'est le rouge, goutte de sang, qui est plus élevé que celui du PDW. Voilà, vous pouvez le voir actuellement. Mais on va perdre, bravo. Maintenant il est en Cryptek Typhon, je crois, si je dis pas de conneries, mon couteau. Et donc voilà, je fais des parties des fois que au couteau, enfin voilà. Encore une fois, petit dédié à Cut Jordan 23 qui me donne vraiment envie de jouer au couteau. Et là, je vais à fond essayer de passer en or directement sur ce Call of. Donc voilà, tout ce qui m'a à peu près donné envie de rejouer à ce Call of. Et en plus, les personnes avec qui je joue, Rams, etc. Il n'y a plus qu'à attendre que sa carte graphique soit mise en son PC. Et c'est parfait. On jouera ensemble à Code et je vous proposerai des gameplays, etc. Et pourquoi j'ai arrêté Call of Duty comme ça d'un coup net, et c'est réellement ça, j'ai réellement arrêté Call of Duty net sur Xbox, donc je jouais tranquille au début. Je me suis acheté Ghost, ok, j'ai joué à Ghost, là ça va être la fin, j'ai mon impitoyable. Et là bah je savais pas en fait si je devais avancer vers le gars, lui tirer dessus, ou reculer et me faire péter par la grenade. Dans tous les cas j'étais... J'étais fini et donc là c'était ma première mort et ma série s'est arrêtée net.
Et donc voilà. Et il va encore, je vais me venger ici et après il va cette personne-ci va me retuer. D'ailleurs GG à lui, mais voilà, dans tous les cas j'étais condamné. Voilà, là je me tue et donc voilà. Et donc je jouais, puis j'ai acheté Ghost, j'ai fini la campagne, j'ai fait de l'extinction et ça m'a pas plu. Et donc voilà, j'ai tout arrêté, la communauté m'emmerdait pas possible, tous les gamins qu'il pouvait y avoir, etc. Les cheaters, enfin voilà, c'était... pour moi c'était plus jouable. Donc j'étais sur d'autres jeux tout le temps, après je me suis acheté mon PC et là c'était la partie de kiff qui a commencé. Donc voilà, ce gameplay est à présent terminé, vous pouvez voir que j'ai fait du 22, pardon, et c'était pas du 19 comme j'ai dit au début, c'est du 22 et voilà. J'espère que ce petit gameplay vous a plu, moi en tout cas ça me fait super plaisir de vous représenter du Call of Duty ainsi, j'essaye de faire du travail propre. Avec un beau montage, etc. pour que ça donne vraiment envie. Donc voilà, pour changer aussi un petit peu des gameplays traditionnels, je sais pas, hashtag Ribéry. Donc voilà, c'était Aurélien 48126, j'espère que cette faute d'orthographe bizarre, je sais pas quoi, je sais même pas c'est lequel des deux en fait, vous me direz dans les commentaires, vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire péter les likes, je reviens en forme, etc. Enfin en forme, je suis quand même un peu malade, je suis un peu enrhumé, mais voilà, pour les fêtes de Noël, et les gars, les 170 abonnés sont passés déjà depuis un moment, ça continue de monter, merci à tous. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à avoir de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos. Dans pas longtemps ici, dans 10 jours pour moi, parce que moi je filme ça le 17. Donc dans 10 jours pour moi, donc le 27, c'est 4 ans que la chaîne elle existe les gars. Et ça me fait super plaisir et ça aurait pas été là sans vous, voilà. Mais je referai une vidéo un peu plus spéciale, je ne vous en dis pas plus, je pense que ça va vous plaire. Vous allez être mais pété d'air, voilà, vous allez être mort de rire, vous allez... Séance d'abdos, allez, pendant... Séance d'abdos, voilà, vous allez avoir des 8 packs sans rien faire en fait, vous allez être plié. Donc voilà, c'était Aurélien 48126, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre un commentaire, à aller voir les playlists, parce que moi j'aime bien mettre par playlist chaque série, on va dire, entre guillemets, pour que ce soit bien propre, répertorié sur la chaîne et tout. Et donc voilà, salut tout le monde, c'était Aurélien 48126, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, bye bye.